Alors, maintenant, on va passer à une populaire opinion. On a parlé de Garp. Je sais pas si vous en avez préparé. Ouais, j'en ai. Ah, parfait, je vais ajouter quelqu'un. C'est parti pour les une populaire opinion. Jungkook, tu m'entends? Allô? Allô? Ouais, comment vas-tu? Jungkook. Ça va. C'est Jungkook ou Jungkook? À chaque fois, j'oublie. C'est Jungkook, non? Jungkook. Jungkook, comment? Jungkook. Parfait. Ok, comment vas-tu? On a massacré ton blaze. Ça va très bien et vous? On a massacré le blaze. On l'a défoncé son blaze, il On l'a arrivait et tout. défoncé comme On Shilou va voudrait voir défoncer Mio. Jungkook. Du coup, bon, bah, écoute, on va très très bien. Très content de t'avoir avec nous pour cette petite session Moi de aussi, moi Une aussi. Populaire Opinion. Parfait. Je vois que t'es. Ok, bah écoute, tu peux démarrer si tu as t'es Une Populaire Opinion avec toi. Moi, ok, bah, je peux commencer, hein. Vas-y, let's go. Alors, bah, pour moi, OP, c'est large vue en animé comme manga. Oh! Alors, Ça, c'est allez, d'une au revoir. populaire opinion! On Au revoir. mange! Ça, on Alors, mange! allô? On mange! J'entends plus quoi, j'entends On plus quoi. mange! J'entends. Ça, c'est d'une Ça populaire bug. opinion! Non, j'ai pas entendu, frérot, tu peux répéter, ça a bugué. Attends. Je vais Non, rebondir. en vrai. En vrai de vrai, je sais pas si on peut dire que l'anime est meilleur. Par contre, on peut affirmer. Attends, par contre, tu peux couper le live ou Y'a pas? un écho, ouais. Il y a un écho. Bon, ok, parfait. On peut affirmer, et d'ailleurs l'auteur l'a dit, on peut affirmer que le manga n'aurait jamais été aussi connu sans l'anime. Ça, c'est pas, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de l'auteur. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'anime est mieux? Ça, c'est chacun dira que bon, c'est complètement subjectif. Par contre, ça fait bizarre, je m'entends en double son. Donc, du coup, ouais, bah, l'anime, l'auteur confirme que le manga a pris notre dimension grâce à l'anime. Maintenant, moi, personnellement, je trouve que l'anime, c'est masterclass. Et je pense qu'une majorité a connu OP grâce à l'animé. Donc, ne crachons pas dans la soupe. C'est pas mon cas à moi, mais s'il vous plaît, ne. Ça fait bizarre, je m'entends double son. Faudrait que tu coupes le truc. Du coup, qui veut rebondir? Sunny, je vois que t'avais envie de débiter. Il y a deux Ah Ryu, j'avoue, il y bah. a un Ryu en mode démoniaque là. Ah, t'as dit pour de vrai, maintenant faut dire pour de faux. Mais franchement, non, je suis d'accord 1000 fois sur le fait que sans l'anime, One Piece serait pas autant connu de fou parce que l'anime a permis, et on l'a de streamer à mort à l'époque, le stream où c'était en vogue de fou. Au lycée, ça buvait One Piece. Et au collège, ça buvait One Piece parce que là, il y a tous ceux qui me disent, ah, c'est grâce à la. C'est grâce à. Je sais plus, ça passait sur quelle tête, Direct Star ou je sais plus sur quelle chaîne, mais ils me font pas croire qu'ils regardaient tous les épisodes de One Piece sur la TNT, quoi. Mais c'est grâce à ça c'est une certitude. Par contre, l'œuvre originale de One Piece, l'œuvre que Oda dessine à la main, tu vois, avec ses assistants et tout, c'est tout le temps mieux que l'anime. Il n'y a pas de rallonge. C'est direct, t'as les éléments qu'Oda veut nous montrer, donc comme ça tu peux pas te dire ah il y a eu ce moment-là, mais ce moment-là il est pas dans le manga. Tu peux pas, t'as pas de soucis. C'est pour ça que même la dernière fois que j'ai fait un débat dans le Colisée que t'avais organisé, je voulais pas qu'on parle de l'anime. Je voulais qu'on soit J'adore le focus. Colisée! Faudrait que je le C'était refasse. l'été, ouais. En plus, ce Ken, il aime Et trop ça les débats. Ouais. c'était 100%, je voulais qu'on parle 100% du manga. Comme ça on a les mêmes éléments. Parce que l'anime, ça aime trop rajouter des trucs en plus qui apparaissent pas dans le manga. Et on Enlever. va pas me faire croire que Oda, en plus de son taf de ouf, il regarde les épisode en avant-première pour dire retirez ça, que l'épisode Ah, reparte, il l'a dit, qu'il soit hein. Il retravaillé. l'a dit, J'y hein. crois pas du tout. Oda a clairement dit que le manga et l'anime, au fond, c'est un petit peu deux œuvres différentes, hein. Par contre, ça, il l'a dit, hein. Ah, ok. Il l'a dit Ah, tant parce mieux. Bah, que, voilà, ça suit le évidemment, propos. à Marineford, comme je l'ai dit il y a quelques mois, si on ne se base que sur l'anime, Mihawk, tu peux le mettre à un niveau, voilà, intermédiaire, Yonko, tu le mets au niveau que tu veux, hein. Le mec qui arrive devant Jinbe, le one shot en une seconde à Marineford. Dans l'anime, tu te dis Mihawk, c'est un monstre, hein. C'est un Stromon, Mihawk. Mais dans la vraie vie, bien évidemment que l'auteur ne fait pas ça, parce que devant Crocodile, il a bégayé. C'est pas pour one-shot Jinbe. Bien évidemment, Jinbe Ouais, qui est donc l'égal de Doflamingo. donc c'est Ouais, pour ça. C'est pour ça pour moi que. Nil. Moi qui suis en train de faire les Chronicles épisode après épisode, je peux vous dire que dans l'anime, il manque plein de trucs. Il y a des trucs qui sont que dans le manga et que je galère à trouver en image pour illustrer. Donc vraiment, en ce moment, j'ai la haine sur l'anime de ouf. Oh là Bon, je là. l'avais déjà Non, en pas ce de moment. haine, s'il te plaît, Neil. Ne sois pas De la haine, haineux. ok. Ne sois De pas la haine, haineux, ok. Neil. Neil! De la haine, de la colère, de la Attends, puissance, ok? bon, par contre, Jungkook, peux-tu nous dire. Attends, je. Bah, t'es démute en fait. Ah, tu t'es mute, automute. Peux-tu nous dire, toi, pourquoi Ouais. tu considères que l'anime est meilleur? Alors, bah pour moi, genre, moi, ça fait 10 ans que je regarde One Piece déjà. Quand je lis le manga et que je regarde, genre, pour moi, il y a le doublage, il y a la musique, surtout les musiques, je trouve les musiques de One Piece, elles sont incroyables, elles sont, je les trouve émouvantes. Je sais pas, même quand il y a les combats, genre, ça donne plus de hype, et même les doublages japonais, ils sont
vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que moi je préfère l'anime Ah, au mais en fait, manga du coup. généralement, toi, généralement, en vrai, pour toutes les adaptations, tu préfères l'animé. Naruto, j'imagine que c'est pareil et Ouais. tout. Oui, aussi, ouais, aussi quand même. Mais c'est vrai que le manga reste masterclass, comme parce que les dessins de l'auteur, c'est vrai que ça reste toujours au-dessus, mieux que les dessins que de l'anime. C'est vrai que voilà quoi. D'accord, ok, bon. Bah écoute, Ken, t'as un petit avis là-dessus? Moi, je préfère l'animé maintenant, au jour d'aujourd'hui, Oui. que le manga. C'est très rare que je regarde des épisodes de l'animé. Mais One Piece, ça fait très très longtemps que j'ai commencé. Et moi, c'est vraiment l'animé qui m'a bercé. Par exemple, là, quand j'étais Voilà en train de quelqu'un vous qui ne écouter. crache pas dans la soupe. Voilà, Ouken, tire-leur dessus, dis que vous êtes. Non, je rigole, je rigole. Vas-y, vas-y, Ouken, ouais. Là, tout à l'heure, j'étais en train de vous écouter et tout. Et je repensais en fait à des scènes de l'animé, justement, qui me donnaient beaucoup plus d'émotions que dans le manga. Par exemple, la fin de la guerre. Quand Shanks, il arrive et qu'il met fin à la guerre, je sais pas s'il y en a, vous allez vous en rappeler, mais comment on appelle ça déjà? C'est pas le ending, c'est le... Voilà. L'OST à la fin de la guerre, quand Shanks, il dit, ouais, on est peut-être pas au Oui, moins... Voilà. effectivement, effectivement. Incroyable. Oui, je Cet vois. OST, il est incroyable. Et la plupart des OST, pareil. L'OST, quand... J'en ai des frissons, là, dis-toi. Là, l'OST, quand Luffy, il dit à Rayleigh vieux... Il lui dit ouais, Rayleigh vieux! Vas-y, justement vas-y, il crie Rayleigh! vas-y. Merci. Rayleigh vieux! Merci beaucoup d'avoir humilié Kizaru, Rayleigh vieux! Effectivement, je me rappelle de cette l'anime est incroyable. Hein. Avec Effectivement. Rayleigh Ouais, qui ben lâche une larme. voilà, ben. Ouais, Rayleigh qui lâche une larme, qui Exactement, dit oh là exactement. là, pourquoi est-ce que je n'ai pas décapité Kizaru Prime? Moi qui suis Ouais, je suis là. Mais Rayleigh vieux, j'aurais tu pu! vois, ah, c'est comme dit Kent sur le chat, l'anime, en fait, l'anime et le manga, si tu faut regarder les deux si tu veux vraiment kiffer à 100% et te faire ta propre idée. Mais il y a un autre passage où là, par exemple, l'anime a permis à beaucoup, et c'est là que tu vois que c'est on l'a tous vu ce passage en anime quand ils en parlent, parce que le flashback de Ace, le flashback pas Ace, le flashback de Law dans le manga, c'est quelques cases. Le vrai flashback de Law de son enfance dans le manga, le passage où avec ses parents, sa sœur, c'est quelques cases. Alors que dans l'anime, ils te l'ont rendu masterclass. Effectivement, Quand effectivement. sa sœur elle meurt et tout, c'est masterclass. Tu te dis, mais Ok. waouh, ils ont créé un monstre. Bon. Tu vois, et Ok. dans le manga, t'as pas ce ressenti-là aussi fort. Ça marche. Bon, bah écoutez, bon, c'était un bon. Une populaire, hein, c'était très bon. Ouken, as-tu une populaire opinion à nous donner? Alors, je vais commencer par lequel. Alors, pour moi, Kobe ne s'est pas fait capturer par Teach. Pour moi, il a voulu le suivre. Il a voulu aller avec lui. Oula, attends. Si c'est vrai, je dis pas que je suis pas d'accord, mais si c'est vrai, dans ce cas-là, Garp va probablement se faire allumer pour rien. Si c'est vrai, Exactement. Garp va partir, ce sera un dommage collatéral à cause de Kobe, hein. T'en es Mais c'est quoi qui te fait Exactement. dire ça? C'est quoi qui te fait dire ça? Bah, moi, ce qui me fait dire ça, c'est la relation qu'ils ont entre eux. C'est. Ouais. Ah, mais Neil est d'accord. Neil, à chaque fois, il débitait dessus. Tu te rappelles, Ouais, Neil? Il dit que c'est son pote ouais, et tout. Bah oui, je me rappelle. ouais. Son collègue, frère. Son collègue, ils ont fait le truc de Red Port ensemble. Pas Red Port, c'est quoi Rocky Port? Ils ont Ouais, fait le truc de Red Port ensemble. Donc, c'est trop chelou comment il lui parle et tout, en mode. Ouais, ça va depuis le temps et tout. Ouais, et toi? Nah, c'est un pirate, c'est un marine. Attaquez-vous, attaquez-vous. honnêtement, quand Neil, quand tu m'en parlais, je disais, allez, il y a un monde. Mais maintenant que tu me dis qu'il y a Garp qui part, je me dis, s'il a pas vraiment été capturé et qu'il a un plan et tout, bon, bah dans ce cas-là, Garp va pas mourir alors. Parce que Garp ne peut pas mourir alors que, guillemets, son, comment on dit, maître, c'est son maître, Garp? Son mentor? C'est son Ah, mentor, son ouais, mentor. c'est son mentor, il peut pas mourir en mode dommage collatéral. En plus, on parle de Garp, l'égal de Goldie Roger et tout, non. Pour moi, ouais, je trouve ça très compliqué. Toi, Sonny? Moi, j'espère qu'il a été capturé juste pour un truc. C'est parce que pour moi, Barbe Noire, en plus, j'en parlais à Wooken. Barbe Noire, s'il fait quelque chose comme ça, c'est qu'il a un plan derrière la tête. C'est qu'il a. Si, je me dis, s'il capture Kobe, c'est pas pour rien. C'est pas par le plaisir pour le plaisir de le capturer ou c'est pas pour le plaisir de du enfin c'est pas il est pas comme ça, il est tellement calculateur que je me dis que ça rendrait les choses super intéressantes que ça soit Barbe Noire qui piège la marine et qui attend une récupération de la marine, tu vois. Il attend quelque chose et je trouverais ça super intéressant. Et le seul truc qui me fait dire ce serait intéressant que Kobe le suive, mais moi je croirais pas en une alliance réelle entre Kobe et Barbe Noire, parce que Kobe il est trop gentil dans le manga, c'est vraiment le genre le marine entre Ouais, guillemets ouais, ouais. parfait, ils veulent le dépeindre comme un personnage en or, tu vois, une crème, donc je le vois pas méchant, je le vois pas mastermind du tout. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il décide de lui-même se faire entre guillemets capturer
pour faire quelque chose de l'intérieur, mais après, ça voudrait dire surestimer grandement ses forces, quoi. Parce que même si tu te fais semblant d'être capturé pour faire une mission d'infiltration, t'as pas le niveau d'Aokiji. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre à une vitesse incommensurable. Tu n'apporteras rien en termes de puissance, t'es pas assez crédible pour t'infiltrer. Et au pire des cas, et en plus, il n'y a aucune raison de s'infiltrer, dans le sens, tu te dis, bah peut-être si tu t'infiltres pour récupérer les rôles de Poneglyph ou quoi que ce soit. Mais lui, c'est un marine, il s'en fout des rôles de Poneglyph. Donc je vois pas qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce qu'il se laisserait capturer pour s'infiltrer? Après, ouais. Donc, c'est pour ça que ce serait intéressant qu'il se soit réellement fait capturer, mais que Barbe Noire a un plan derrière qui va nous rendre tous ouf et on va se dire « Oh le bâtard, il est trop fort mm-hmm. !» Tu vois. Techniquement, la capture de Kobe, je trouve ça un petit peu... Maintenant que j'y pense, c'est bizarre. Parce qu'il y a Ray Lee Vieux qui est venu et a dit à Barbe Noire « Tu pars ». Barbe Noire, il a dit « Bon, en gros, c'était coupé, mais il a dû dire « Ok, c'est bon, je t'écoute. » En gros, comme il le disait, les pourparlers, ça existe et tout, qu'il a dit « C'est bon, pars. » Du coup, pendant ce temps-là, il a chopé Kobe, il lui a mis une claque, il l'a couché, il lui a dit tu viens. C'est vrai que c'est bizarre, genre il l'a fait devant tout le monde et tout. C'est... Ouais, c'est ça. Techniquement, c'est bizarre en fait. Genre il a fait quoi? Il l'a ramené vers lui, il lui a mis un coup dans la nuque, il l'a couché, il l'a capturé. Mais non, c'est Ray Lee, il a aidé à le capturer. Il a dit je tiens les jambes, tu tiens les bras, vas-y bouge pas toi. Effectivement, après Ray Lee s'en tape de Kobe, ça c'est une certitude. C'est un fait. Tape royale. Mais ouais, surtout pourquoi en vrai? C'est vrai que le cas de Kobe, il est bizarre. Hein. Genre, il a capturé devant tout le monde, il a mis une claque, c'est bizarre. Mais, alors qu'il y avait des séraphins. Et Kobe, c'est un héros dans le monde. Comme ouais. tu le disais, là, c'est toi qui le disais, je crois, Rio, la dernière fois, que Kobe, c'est... Neil, je crois. C'est Neil. Tu disais que c'est un héros dans le monde de One Piece, il est ah respecté ouais. de fou, et il a une aura maintenant, tu vois. Donc le fait de capturer un tel individu, même si tu t'en fous, même si Chicken Spot, alias l'amiral en chef, Akainu, voulait le buter à la fin de Marineford, il reste un représentant de la marine, c'est un héros. Et aux yeux de la marine, surtout que l'information, elle n'a pas juste fuité en interne. En plus, elle sa a copine, fuité dans les journaux. Mmh. Vas-y, ouais, elle a fuité dans les journaux à travers le monde entier. Donc le monde entier sait qu'un empereur, il a attrapé l'héros de la marine et il l'a mis au placard. Ils peuvent pas oui, rien faire. Oui, mais tu comprends pas, la marine a besoin d'Ayonko. Donc en fait, ils s'en foutent. Tu comprends pas. Non, c'est pour ça. J'entends pas parce qu'il y a des trucs dans... La marine égale 4 équipages Yonko. Tu peux pleurer, Sony.